Est-ce que tu trouves que le PSG de Luis Enrique a franchi un cap au niveau du jeu, a pris une autre dimension au niveau du jeu? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG de Luis Enrique. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous on parle de foot, ici, nous on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que tu penses que le PSG de Luis Enrique, franchement, est-ce que tu penses que ça a franchi un cap au niveau du jeu? Moi, je trouve que ce PSG-là joue très, très bien. Ça joue incroyablement bien. La dernière fois que j'ai vu un tel PSG jouer, c'est le PSG de Laurent Blanc. Le PSG de Laurent Blanc était très fort. Je trouve même que le PSG de Laurent Blanc était fort par rapport au PSG de Luis Enrique. Mais Luis Enrique est encore ses débuts. On attend. Mais actuellement, ça joue très bien, ça presse très haut, ça récupère très haut. Le petit bémol, c'est que en termes de finition, ce n'est pas encore efficace. On l'a vu hier, en première période, face à Dortmund. Face à Dortmund, les amis, c'est 11 tirs en première période pour un seul tir cadré. Donc, en termes d'efficacité, ça gâche encore beaucoup d'occasions. Lorsque ça va polir son efficacité, lorsqu'ils vont améliorer les stats dans l'efficacité, ce PSG-là sera vraiment difficile à battre. Ça sera très difficile à battre. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que le PSG de Luis Enrique est vraiment excellent dans le jeu? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.